Salut les fans de ride, après Salut. un petit intermède de pique-nique parce qu'on a mangé, nous voici en ce début de saison 2024 avec pour première fête de l'année la fête foraine d'Agen et ce sera un vlog double puisqu'on ira aussi à Villeneuve-sur-Lot et vous allez me dire mais pourquoi revenons-nous sur ces foires? Alors Agen, vous voyez il n'y a pas grand chose mais à Villeneuve, Clem va expliquer la nouveauté incroyable et... Tango KMG Star Wars là, quand même, donc ça qu'on a déjà fait, mais c'est un très tours, bon ça ride vaut tours, ça vaut le détour et ça vaut quand même le coup pour démarrer la saison. Voilà, puis on n'a pas de fête, on est début février, nous sommes le 10 février pour être précis. Bien que ces vidéos seront mises très rapidement sur YouTube, normalement, voilà, on y va, c'est parti, on va faire visiter un peu la foire d'Agen. Allez, c'est parti, le Crazy Dance Sunride à Agen.
Allez, plus fort, un maximum de bruit, de bruit. Bon, comme vous l'avez vu, il pleut pas mal. Ouais. Premier ride de la journée, bah, ça a été ce Crazy Dance là-bas, voilà. On fait les rushs après, mais vous les avez dans le vlog parce qu'on s'est pris la pluie. Voilà, la pluie n'est plus là. Alors, donc ce Crazy Dance, on va le noter, n'est-ce pas? Alors, au niveau de la thématisation, moi je lui mets 3 étoiles parce qu'il est sympa sans que ce soit le métier le plus thématisé de France, hein, voilà. Au niveau des sensations, je mets 3 étoiles parce que c'est familial, c'est fluide, mais il n'y a pas de grosses sensations, t'es d'accord avec moi, hein? Oui, non, je suis d'accord, hein, 3. Au niveau du gerbomètre, ben moi je mets 1 parce que ça rend pas du tout malade. Je mets 1, allez, peut-être 2 pour certaines personnes qui sont un peu fragiles, et voilà. Et au niveau du fun, 4 parce qu'il est bien animé, bonne machine à fumer malgré la pluie. Ah, oui, c'est bien animé, une bonne ambiance. Voilà, et maintenant, ben, on va sur le Loop Fighter, hein, Clem. Voilà. Ouais, ben, le blackout. Un petit blackout, voilà. C'est parti, le blackout on ride. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À Agen 2024. Sous la pluie. Voilà, sous la pluie, donc vous aurez l'on ride que vous aurez. Vous aurez l'on ride que vous aurez, hein, je dis, voilà. Bon voyage, on y va, ça play commence, ok. Par play, il fait beau. Ça fait même pas Bruxelles, en fait. Bruxelles. Et on a vu ça à Bruxelles comme temps.
frontière. Ah, purée. Ça coûte quoi notre frontière là? Non. Oh, je suis plus habitué. Ça donne quoi sur l'écran? Ça va. Je suis plus habitué, les gars. Oh, y'a, y'a. Oh là. Ça peut être le cul. Oula. Oh là là. Non, en vrai pour l'instant ça va. On dirait que ça se calme. Oh. Bah. Ouais, ça va. Ah. Je suis blasé, genre ça me fait rire. Ouais, mais là on a plus de. Ça me fait rire, je suis malade. En fait, quand ça va vite, ça va, mais dès que ça ralentit, on se prend la pluie. Allez, on fait comme à l'époque. Looping, looping, looping. Ouais. Quand même, hein. Bon, on va pas y aller sur le tour, il est bien. Encore, looping. Attention, maintenant. Oui. Et on est reparti en air. Oh putain, oh non. Tout à fait, si tu veux. Ça rappelle des mauvais souvenirs. La capuche. Ça va tout à fait. Zumba café. Oh, j'ai vu le ride au club. Ça va quand même. Aïe, oh non. Voilà, c'était. T'as le... nettoyé ou t'as pas nettoyé? Ouais, mais si, j'avais nettoyé un peu pendant le. Et voilà, donc un blackout de fait. Voilà, tout à fait. Donc la thématisation. Alors, la thématisation, on est sur du 4 parce qu'il est quand même clean, il n'y a pas tout de mille là, notamment les enseignes. Alors, au niveau de la sensation, on est sur du 4 parce que c'est quand même bien sensationnel. C'est vrai. Au niveau de gerbomètre, je mets 2, allez, 2, entre 2 allez, et 3. 2 et 3, allez. On verra au moment du vlog, du montage. Et enfin, sur le fun, ben moi je mets 4 parce que quand même. On a pris la pluie, mais on a eu un bon tour en vrai. C'était fun, et on a eu un ou deux loopings, trois loopings même. Donc et là, regardez, c'est le prochain ride, le Ranger Skymaster, avec, vous voyez, cette nouvelle caisse. Regardez, je vais vous montrer. Avec les marteaux, alors, le lambda appelle ça le marteau, hein, clairement. Moi, quand j'étais à la fête de Brive, ils appelaient ça le marteau, vous voyez, regardez. La caisse avec les marteaux, voilà. Allez, c'est parti, le Skymaster en ride à Agen. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. On est parti avec peut-être un tour sans pluie. Oula. Ah. Le problème, c'est qu'il y a de l'eau dans le ride. On a fait 6-7 loupings là. Ouais.
80% DG parce qu'on est en bac. Ouais, on fonde plus de G que dans le Black Rock. Ouais, y'a des G, hein. Et voilà, Skymaster, c'est fait. Alors j'ai un peu les fesses mouillées parce qu'il pleuvait avant le tour. C'est le seul tour où on n'a pas eu de pluie. Hein. Ah ouais, on a eu un ciel bleu là, un petit éclair. Regardez, ouais, c'est sympa. Alors globalement, au niveau de la thématisation, moi je mets 4. Je donne une étoile de plus qu'avant parce que regardez, il y a la caisse, il y a tout ça qui a été refait. Et cette petite thématisation, sympa. Après, au niveau des sensations, je mets 4 parce que étonnamment, il y a des jets à la... ah, un peu plus puissants qu'avant. Jets en bac, hein, et surtout pas mal de... plus de looping d'affilée, je trouvais aussi. 6-7, hein. Au niveau gerbomètre, moi je mets 3. Pourquoi? J'explique. Alors... il est plus rapide, mais il y a une fluidité gauche-droite pas très agréable qui fait que moi ça peut me rendre la gerbe. Hein. Ça tangue pas mal et on a quelques vibrations effectivement. Et les vibrations, et moi ça me donne la gerbe, voilà. Et au niveau du fun, bah, 4, bah, c'est quand même bien fun, on croise fun, les gens, oui, en face, oui. Voilà. On fait des saluts, ça va. Voilà. Et voilà, on va terminer la foire. Voilà, voilà. Et après, nous irons sur bah, la deuxième foire. Et voilà, donc on a fini à Agen, on est maintenant à Villeneuve-sur-Lot. Alors déjà, qu'en as-tu pensé, Clem, d'Agen? Moi j'ai bien aimé, il y avait des bons, on a eu des bons tours malgré la pluie. C'était une fête plutôt sympathique. En vrai, ouais, il y a eu la pluie, c'est dommage, mais bon, en vrai de vrai, c'est ouais, pas mal. Hein. Et là, on va aller voir du coup le Black Dream, le Star Wars. Ces deux métiers-là, principalement. C'est principalement, et le Take-Off, voilà. On va découvrir ce qu'il y a un peu sur cette fête, même si j'ai déjà des infos. Et on vous dit à tout de suite. Je sais pas pourquoi je sens qu'on va kiffer. KMG a vraiment fait de la un bon truc.
j'espère que ce sera aussi bon le nouveau rail de là en 2025. Oh ça. Attends. On repose les débarbères. C'est parti, on y retourne comme ça, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Avec un nouveau petit programme sympathique. C'est le manège éolienne pour les écologistes. Exactement. Oh. Wow. On est en l'air. Oh, la vue est sympa. C'est quoi ce... C'est quoi ce... C'est quoi ce... Ça accélère. Oh. T'as vu l'accélération? Cinéma. Oh, il est où le cinéma? C'est là qu'on aurait dû aller aux toilettes. C'est là-bas? Il est où le cinéma? Ah, il est juste là. Ah, il y a des bases nautiques, regarde. Ah, mais on est... On est posé là, hein. L'église, elle est là, regarde. Oh, c'est parti dans l'autre sens. Oh, là, c'est hey, parti de... dans l'autre sens. Ah, mais Joe. Moi, je dis, on aurait dû se garer à côté du Star Wars, ça aurait été classe. Oula. On peut, let's go! Les sensations sont décuplées là. Oh, 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 oh putain, c'est quoi ça? Ça accélère. Oh, oh, putain. Oh la vache. Ah, je suis déporté. Ah, je suis déporté. Oh, oh. Je suis déporté. Oh. Je m'appelle pas Alex, mais je vais à l'extérieur. Oh. Ah, je m'attendais pas à ça par contre. Ah ouais. Ouais, on avait jamais eu cette sensation sur le Star Wars. On avait jamais eu ça. Mais c'est quoi, alors Clem, un Star Wars, ça ouvre l'appétit avec des M&M's. Les Crispy, bien sûr, ils sont là et nous aussi on est là. Et on était là dans le Star Wars. Ouais, et nous aussi on est là dans le Star Wars avec un tour de malade. Ouais. Niveau sensation, je mets 5 direct. Niveau thématisation, je mets 4. Niveau gerbomètre, je mets 3. Bah, ça peut rendre malade. Et fun 5, bah, c'était vraiment incroyable. Ouais. Et ça fait du bien de recommencer la saison sur un ride de cette qualité. Vraiment, regardez là, on a un techno. Ça va être le deuxième ride sûrement de la soirée là. Et après il y a un take-off là-bas, voilà, comme ça vous avez la liste complète. Franchement on a bien kiffé le tour, hein, du Star Wars, moi je suis très content de ma journée là. Ça, on était venu pour ça après, faut dire. Donc voilà. It's the blues!
bike de l'année dernière, ça va. C'est quand même agréable de pas avoir une barre entre les jambes, tu vois, comme les Technical Parks. Ouais. Ah putain. Voilà, pour le temps que les yeux se remettent en place, mais ça va. Juste un peu le tournis, mais à part. Bon alors Clem, ouais. On vient de faire le take-off, alors allons-y, donc thématisation 3, sensation 4, parce que c'était vraiment cool, gerbomètre 2 et fun 5 parce qu'on a eu un très bon tour. Voilà. Je pense qu'on va se et surtout il y poussait bien parce qu'il a fait c'est les variateurs qu'il a réparés. Voilà. Et là on voit un Black Dream devant donc je pense qu'on va y aller là. Allez un petit Black Dream.
quoi le film? Ah là, ok. C'est loin, j'ai l'arrêt. En vrai, hein. L'accélération, les. Regardez le Black Dream. Alors le Black Dream qu'on vient de faire, franchement on a eu un tour bien. Alors attends, moi déjà je tiens à signaler que c'est la reprise et le froid, j'ai eu du mal avec le ride un peu. Enfin du mal. J'ai eu des petits frissons dans la poitrine parce que ben voilà, j'avais froid, Allez, ça commence à se calmer ici. Ce que j'ai à dire c'est qu'il y a eu quand même trois relances quand même, donc un tour assez long, et sans... pour les sensations je mettrais un beau 4 hein, quand même. C'est la télé, c'est à YouTube. Ouais. Alors ouais, pour les sensations un bon 4, pour la thématisation un 4 aussi, pour le thermomètre je mettrai 3 du coup, et pour le fun je mettrai 4, voilà, allez, les notations sont faites. Et là regardez, il y a un autre gros métier qu'on ne fera pas mais on vous le montre, c'est le NASA, voilà. Donc nous on a terminé ces deux foires, c'était la reprise de la tournée hein, 2024, la saison. En tout cas, on espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous dit à la prochaine fête qui sera, n'est-ce pas, Clem, Albi. Albi, voilà.